Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très très bien aller. Je vais zoomer sur le sentimental. C'est du général, vous faites bien preuve de discernement. Tous les messages ne peuvent pas vous parler, c'est normal. Je partage le message 4. La personne de votre cœur sur la gauche, votre lien au milieu et vous à droite. On va voir tout ce que je peux partager. Donc, message 4, c'est du général, vous faites bien bien preuve de discernement. Et ensuite, je partage mon écrit. L'écrit du jour dans le sentimental. Je tiens à vous remercier pour toute votre présence, participation sur la chaîne. Merci, 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 merci. Et on y va. Alors, la personne de votre cœur va reprendre de la force et du courage. Encore plus de force, encore plus de courage. Sur le lien, vous allez récupérer de la légèreté. Il y a de la légèreté, il y a des choses légères. La personne de votre cœur va récupérer de la force, du courage et de la légèreté aussi. Vous, cet hiver, vous allez récupérer de la légèreté. Dans peut-être de la légèreté dans des inconstances. De la légèreté dans des inconstances. Ça peut être dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Mais cet hiver, il y a de la légèreté qui revient. C'est la fin des inconstances. Dans un ou plusieurs domaines de vie, de votre vie. Et tout se transforme en positif. La personne de votre cœur peut, elle, être dans des inconstances. Faut qu'elle reprenne inconstance dans un ou plusieurs domaines de sa vie. Faut qu'elle reprenne de la force et du courage. Elle va récupérer la légèreté durant cet hiver pour moi. Comme vous. La personne de votre cœur a beaucoup d'émotions, a beaucoup de sentiments pour vous. Cette personne peut habiter à la mer. Elle a beaucoup de force. Beaucoup. Votre amour apporte. Votre amour, les sentiments que cette personne éprouve pour vous, ça apporte beaucoup de force et de courage à cette personne. Sur votre lien, il va y avoir une union, un mariage, un engagement qui va vous apporter de la légèreté. Ça va être dans la légèreté, ça va être un très bel engagement, une très belle union, un très beau mariage. Vous, durant cet hiver, vous allez peut-être être enfermé, concentré, mais c'est positif. Et cet hiver, vous allez sortir aussi peut-être d'un enfermement, d'une inconstance. Vous allez retrouver de la légèreté et vous allez sortir aussi d'un enfermement. Comme la personne de votre cœur. La personne de votre cœur va venir vers vous avec force et courage. Elle va retrouver toute sa force sous son courage. Et elle va vous dire... Toutes ses émotions, enfin tous ses sentiments, elle va vous dire, vous déclarer tous ses sentiments, tout ce qu'elle peut éprouver, tout ce qu'elle peut garder au plus profond d'elle en fait. Et en fait à partir de ce moment-là, ça va redonner encore plus de force et de courage à la personne de votre cœur. Et ensuite, vous allez pouvoir ancrer et stabiliser, mais une fois que cette personne va vous dire... Toutes ces émotions, tous ces sentiments, faire un pas vers vous pour vous dire les choses, ça va ancrer et stabiliser des choses dans sa vie. Déjà elle et des choses dans sa vie aussi, et cette personne va pouvoir récupérer de la légèreté. C'est comme si quand la personne de votre cœur va faire un pas, va vous dire qu'elle veut s'engager avec vous. Dire ses émotions, tout son amour, ça va... Durant cet hiver, ça va permettre en fait que cette personne puisse sortir aussi de son enfermement, de l'inconstance, retrouver de la légèreté, encore plus de force, de courage.
et cette personne va réussir à ancrer, à stabiliser peut-être son professionnel, financier, ça peut être bancaire. En tout cas, il y a des choses qui vont s'ancrer, des projets qui vont pouvoir s'ancrer, qui ne s'ancrent pas, et ça va tout restabiliser. Mais si cette personne, en fait, ne vous dit pas ses émotions, ne fait pas un pas vers vous, en fait, cette personne va rester dans de l'inconstance, dans des choses qui sont pas légères, dans de l'instabilité, dans des choses qui se... Bah, qui sont pas positifs, en fait. Vous êtes des amis sur votre lien, il y a un engagement, vous êtes des amis, vous êtes fidèles l'un envers l'autre. Vous êtes peut-être enfermé chez vous, hein, foyer, dans votre famille. Voilà. Mais ça va être la fin, hein, cet hiver. Il y a des choses qui vont se transformer au niveau de tout cela. Mais pour moi, c'est pas un enfermement. En tout cas, si vous êtes vraiment enfermé, tout va se transformer. Après, ça peut être aussi juste parce que vous avez besoin de concentration pour réaliser des choses. Vous allez récupérer de la légèreté, sortir des inconstances de l'enfermement cet hiver. Et ensuite, pour moi, ça peut être avant la fin de la journée, la personne de votre cœur, vous témoigne tous ses sentiments, son amour. Et ensuite, bah, ça va engendrer beaucoup de choses dans la stabilité. Cette personne va récupérer encore plus de force, encore plus de courage et beaucoup, beaucoup de stabilité dans tous ses domaines de vie. Et c'est ce que cette personne désire retrouver, de la stabilité, de la légèreté. Autant avec vous que dans tous ses domaines de vie. Voilà. Allez, je partage. Alors, on parle pour moi d'un rapprochement. Un rapprochement qui va pouvoir se faire très vite avant la fin de la journée. Et ces rapprochements vont vous permettre de réaliser tous vos rêves. Ouais. Les rapprochements sur un lien, rapprochements vont vous permettre de réaliser tous vos rêves. Un rapprochement et vous allez sortir autant l'un que l'autre de tous vos blocages. Attendez-vous à de l'inattendu sur votre situation. Vous allez avoir un gros triomphe. Vous êtes surprotégé. Voilà, tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. C'était un réel plaisir, bonheur pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur les vidéos. J'adore vous lire. À vous abonner si ce n'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À bientôt!